commences à ranger, toi? Non, désolé. Ok, il y a peut-être des autres qui passent. On va tomber dans des trous et se faire tuer. Oh, c'est quoi ces cristaux? Je suis si proche. Pourquoi se fermer? Maintenant, c'est censé se laisser quelque chose de l'autre côté auquel je souhaite accéder.
fessé. Vous pouvez rien faire face à ma colère. Maître, qu'allez-nous faire? Je ne vais pas avoir le choix. Que la terre t'engloutisse, que les éléments t'enchaînent, que ma vie te scelle. Non! Avant d'entrer. Ouais, c'est ça. Tu me laisses rentrer parce que tu veux avoir... Bon, ben, allons voir à l'intérieur. Ouais, tu me laisses rentrer parce que tu veux pas être pris par les pièges. Je suis là-bas. Oh, pas là, le dragon. Toi, petit humain, tu es venu me libérer. On m'avait parlé d'un trésor, pas d'un dragon. Il n'y a jamais eu la moindre pièce d'or ici. Celui qui t'a dit ça, t'as bien eu. Je vais pas m'en plaindre. Grâce à ça, je suis libre. Plus pour longtemps, monstre. Je vais m'emparer de tes pouvoirs et utiliser tes flammes pour réduire en cendres tous les païens. Feu purificateur embrassera le monde. Seuls les enfants du grand stock régneront. Tu m'as l'air bien prétentieux, petit chevalier. Si j'avais été enfermé, ce n'est pas pour rien. Mais face à la colère de Smog, le dragon dévastateur...
de magie ne pourra pas me retenir indéfiniment. D'accord, vous me fatiguez. Oui. Ni mes jambes. Il me tarde de retourner dans ma contrée natale.
50 mètres d'épaisseur de roche. Pourtant, pas quoi d'en faire un fromage. Plein de choses que